ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Une autre condition dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de se diriger vers la Qibla quand on a la capacité. Ça, c'est, il y a consensus entre tous les savants que c'est une obligation de se diriger vers la Qibla pour que la salat soit acceptée. Allah dit dans le Coran Karim, قَدْ مَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. On voit que tu te lèves plusieurs fois le visage au ciel, on va se diriger vers une Qibla qui te satisfera, tourne ton visage en direction de Masjid al-Haram, c'est-à-dire Mecca, la Mecque. Pour les gens qui sont dans la mosquée, le Qibla, c'est il faut que son corps en entier et son visage soient dirigés vers la Kaaba. Quand on est en dehors de la mosquée, à l'intérieur de la Mecque, et on voit la mosquée, il suffit de se diriger en direction de la mosquée sacrée. Et quand on est en dehors de la Mecque, en direction de la Mecque, à peu près. Et la direction, ce n'est pas quelque chose de précis. Car le prophète en parlant de Qibla, on a déjà dit que c'était détestable de faire ses besoins en direction de la Mecque, en lui donnant son dos ou bien en étant devant. Le prophète il dit, ne faites pas vos besoins en direction de la Mecque, que ce soit vos petits ou vos grands besoins, mais tournez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Donc ça prouve que pour les gens de Médine, la Qibla, ce n'était pas le sud. À partir du sud-est jusqu'au sud, c'est le Qibla. Ou à partir de l'ouest jusqu'au sud. Donc tout ce qui est vers le sud, sud-est, sud-ouest, à peu près dans un angle de 45 degrés, c'est considéré comme Qibla. Ouais, c'est pour ça qu'Allah a dit Shatra al-Masjid al-Haram. Shatra. Shatra al-Nahwa, à peu près. Ce n'est pas un endroit précis. Il y a certaines situations où ce n'est plus une condition de se mettre en direction de la Qibla. Le malade, par exemple, qui ne peut pas bouger, c'est le cas, il fait comme il peut, dans la direction dans laquelle il est, tout simplement. La personne aussi qui a cherché la Qibla, elle est dans un endroit, il ne sait pas où elle est la Qibla, il est en voyage. Et il a cherché à la trouver, avec les signes apparents, en demandant des musulmans. Et après, il a fait la salat vers la direction, et il s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne direction. Celui-là, son salat, elle est sahiha. Et il n'a pas besoin de la recommencer, même si, après cela, il se rend compte que la Qibla est dans un autre sens. C'est quoi la preuve de cela? Premièrement, le hadith d'Ibn Omar qu'on a cité auparavant, quand il faisait salat vers le chien, il était déjà révélé que la Qibla maintenant c'était Mecca. Mais pourtant, en pleine salat, ils se sont tournés vers Mecca et ils n'ont pas recommencé leur salat. Donc s'il est en pleine salat et il sait qu'il est en dehors, il n'est pas dans la bonne direction, il faut qu'il se tourne en pleine salat. Par exemple, on rentre à la mosquée. Quelqu'un qui ne connaît pas cette mosquée, il vient, il prie vers, il prie comme ça. Si quelqu'un entre, il le voit, qu'est-ce qu'il fait? En pleine salat, il le tourne. Et lui, il doit se laisser faire, il ne doit pas résister. Hein? Il doit se laisser faire, il doit se sauver. Hein? Ou alors, s'il résiste, on lui dit, on peut lui parler, on lui dit, la Qibla est dans l'autre sens. Parce que des fois, il y en a, il ne comprend pas, il pense que c'est en train de déranger dans ce là. Il va dire, ah, la shaytan, il va dire, ah, la shaytan, il va se mettre un coup. La preuve que celui qui a fini même la salat, et que même s'il se rend compte, il est encore dans l'heure, que il n'a pas besoin de refaire la salat, même s'il avait fait la salat dans un autre sens, c'est qu'une fois, les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, ça c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith hassan, ils étaient en voyage dans la nuit, il y a eu des nuages, ils n'ont pas pu reconnaître la Qibla, parce que eux, comme vous savez, les Arabes, ils se basaient sur les étoiles, sur les astres, pour connaître les directions. Ils n'ont pas pu savoir c'était où la Qibla, et le matin, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait la Qibla dans le bon sens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas ordonné de recommencer, ils n'ont pas recommencé de prier. Vous voyez? Si quelqu'un a peur de l'ennemi en pleine bataille, alors pour lui, il peut faire salat dans la condition dans laquelle il est. En pleine bataille, il fait il combat et il fait salat yumi iman, avec sa tête ou avec ses yeux, il n'a pas besoin de se diriger
ve kıble. Kela kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَإِذَا قِيلَ طَلَبُوا فَإِنَّمَا هُوَ التَّشْهِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ Quand ils sont plein de bas, ça y est, ils sont mélangés en plein de bas, فَإِنَّمَا هُوَ التَّشْهِيرُ Il a dit, c'est juste le تَكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ C'est juste les signes avec la tête. Et on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala déjà nous a déjà parlé de salat, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رِجَالًا فَرْفَنِيَ رِجَالًا Alors, pourquoi un homme l'a fait رِجَالًا Parce qu'il marche. En marchant, en rukban ou sur la voiture. Quelqu'un qui est en voyage, il peut faire les nawafil en dehors de la qibla ou en dehors de la qibla. Il est assis sur sa voiture, dans son avion, dans son bateau, dans sa voiture. Ça, c'est spécifique à la nawafil, à les prières surérogatoires. En dehors des prières surérogatoires, il a été rapporté dans plusieurs hadiths sahihs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il montait sur sa voiture. Et il faisait la salat en direction de où se dirigeait de son chameau. Sauf les prières obligatoires, il descendait de sa voiture et il la faisait debout en direction de la qibla. Donc le Sahih al-Bukhari, Ali ibn Rabi'a, a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des prières sur obligatoires alors qu'il était sur sa voiture ou que sa voiture se dirige. Mais je ne l'ai jamais vu faire cela pour une prière obligatoire. Sauf si une personne elle est par exemple dans un bus. Il part en Bled, par exemple. Et il sait que ce bus, il ne va pas s'arrêter. Il lui a dit s'arrêter pour ça là, il a tout fait. Et il n'a pas besoin de la personne, elle se renseigne avant de prendre ce bus, avant de prendre ce cas. Est-ce qu'il va s'arrêter au moins pour les Sarawak ? Oulala. Et s'il voit qu'il ne va pas s'arrêter, il prend dans un autre bus ou qu'il va s'arrêter pour Sarawak. Maintenant, il s'est fait avoir, il s'est trompé. Il est monté dans ce bus. Et ce bus-là, il ne veut pas s'arrêter pour Sarawak. Il est parti le matin, jusqu'à le matin, il ne s'arrête pas. Bon, le matin, comment il en fait ? Alors dans ce cas-là, il lui est permis de faire la prière assis. Il essaie de diriger vers la qibla, assis, et il fait comme il peut, Inch'Allah. Mais sinon, si c'est lui qui conduit la voiture, ou bien il y a des gens qui peut faire arrêter, il doit s'arrêter et faire la prière debout en direction de la qibla. S'il pleut, on cherche un endroit où il peut pas, tout simplement un endroit un peu couvert. Ou bien si la pluie n'est pas très forte, on peut prier même sous la pluie. Mais si vraiment il pleut très fort et il y a de la boue, et on va sortir de l'heure et on ne trouvera aucun endroit couvert avant que l'heure elle sorte, là on peut la faire assis. Et on va voir dans un cas de salat, dans les piliers de la prière, le fait de se mettre debout, c'est un pilier de la prière. De même dans l'avion et dans le train, c'est obligatoire de faire la prière debout. On t'a pas dit de faire en jamaa, de prendre tout l'avion, faire une grande jamaa. Si tu mets tout seul dans un coin au bout, tu fais ta prière, tu vas t'asseoir. Tu vas sortir que deux recettes. Sauf si vraiment il ne te laisse pas. Dans ce cas-là, tu la fais assis. Mais normalement, tu dois la faire aussi. Une autre condition qu'on a dont on a parlé auparavant, c'est un niyya. Innama al-a'mal bi-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Toutes les adorations, ça nécessite une niyya, intention. Et il y a donc ijma sur cette question-là. Un niyya, on va en parler un petit peu plus en détail, parce qu'il y a plein de points dans le niyya. Awalan, tout le monde est d'accord pour dire que mahal al-niyya, l'endroit de la niyya, c'est le cœur. Naam. De même, que si quelqu'un dit quelque chose avec sa langue et il a une autre niya dans son cœur, qui compte c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et de même, que le fait de dire à voix haute la niya, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Ça n'existe pas en islam de dire où sont les salats, où sont Jahran, Ma'al Iman, Ismail, Fimajid Moumani. La niya, c'est le calme. Même si tu dis à voix basse, le fait de dire la niya avec sa langue, c'est une innovation dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sahaba, ni tabi'in, ni les ulama, ils n'ont jamais fait le talafouz des niyas. Ils n'ont jamais parlé, dit la niya avec la langue. La niya, c'est dans le cœur. Quand tu fais une salat, tu ne dis pas juste, ah, je fais salat, allez, je vais faire salat. Non, tu dois savoir quelle salat tu fais. Voilà. Mais c'est pas avec la, t'es pas obligé de dire dans ton cœur, dans ta tête, oui, tiada, ou avec ta langue. Non, c'est juste, tu sais, dans ton cœur, là, je me lève pour salat de bonne foi. C'est tout. Le fait de savoir ça dans ton cœur, ça suffit. كذلك pour une personne par exemple il est imamoum et il a l'intention d'être munfarid par exemple tu fais ça derrière une personne et cette personne elle est trop longue dans la prière et toi quand vous allez aux toilettes on peut pas quand vous allez aux toilettes ça ne passe pas tu sais que si t'attends tu pourras pas finir la prière tu n'es ni à être munfarid t'es dans le rang tu finis ta prière tout seul rapidement et tu vas aux toilettes de même tu fais ça derrière un imam. Tu rentres dans un endroit, tu ne connais pas cet endroit. Tu commences par là, cet imam-là, il ne sait même pas répéter la fatiha. Mais vraiment, il fait des fautes graves.
tu mets l'intention d'être seul, tu suis en même temps que la jama'a, mais tu fais ta prière tout seul. Tu finis en même temps que, tu fais tout en même temps que pour ne pas faire vite là, mais ta prière tu la fais tout seul. On va parler d'une autre masala, et c'est là que nous y avons l'imam ou l'imamou. Par exemple, quand on fait nous, salat al-fariḍa, mais il y a d'autres bonnes. L'imam, son intention c'est de faire la salat al-fariḍa. Et là, nous, mais derrière, nous tous, nous y avons de faire salat al-fariḍa. Sahih al-Allah. Ça, il n'y a pas de khilaf sur ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça l'afdhal. Voilà la chose. Est-ce que c'est permis? Quand Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما جعل الإمام ليؤتم به ما معنى ذلك؟ هل تأتم به في ظواهر الأمور وفي الظواهر أو في الظواهر فقط؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam a été fait pour être suivi. Donc certains ulama se sont basés pour, sur ce hadith pour dire que tu dois le suivre dans les choses apparentes et dans le cachet aussi. Si lui il a mis à d'autres bornes, tu dois obligatoirement avoir mis à d'autres bornes. Tu n'as pas le droit d'avoir une autre niya. Voilà, ça c'est la vie de l'imam Malik, rahimallahu Abu Hanifa. Votre sahih, c'est que tu as le droit d'avoir une niya différente. Comment, pourquoi on dit ça? C'est la sunna du prophète alayhi wa sallam qui nous a montré cela. Par exemple, quelqu'un qui fait une nafila derrière un mustarif, hadith al-Hidar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-Hidar. Il va venir un moment où les Umara ils vont retarder l'heure de la prière jusqu'à un peu avant sa fin. Comme certains le disent par exemple, en Tunisie, toute l'année en volant, ils le font du temps à la fin. Ça, c'est le prophète Hassan qui a mis en garde contre ça. Il a dit, qu'est-ce que tu feras avec ces gens-là? Abizar, il a dit, qu'est-ce que je fais, Rasulallah? Il a dit, toi, fais la prière à l'heure, au début de l'heure, vers les 10 heures. Et si tu as, et va faire la prière avec eux, celle que tu fais avec eux, elle sera comptée comme Nafila. Donc là, l'imam il a mis à tout proche et le maqmoum il a mis à tout nafila. Donc, on a vu que c'était permis. Il y avait aussi dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et quand il s'est retourné, il a trouvé deux personnes qui n'avaient pas prié avec eux. Il leur a dit à tous, vous êtes musulmans? Ils ont dit oui. Ils ont dit, pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Ils ont dit, on a prié chez nous, ya Rasulallah. Il a dit, si vous avez prié chez vous et vous venez vous trouver des musulmans priés en groupe, priez avec eux, elle vous sera comptée comme une prière. Sur le monde d'abord. Donc ça, on a vu qu'il n'y avait pas de mal. Maintenant, on va faire le contraire. Toi, tu pries une prière obligatoire derrière quelqu'un qui fait une prière nafila. Allez, ajoute. C'est quoi la preuve de cela? Et ça, c'est rapporté dans son parle. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il prie la prière de l'Isha avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, pour gagner la récompense de Masjid al-Nabawi. Et pour gagner la récompense derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il retournait à son peuple, c'est lui qui présidait la prière de l'Isha. Lui il mettait niyat al-Nafila et lui mettait niyat al-Fard, l'Isha. Une autre question. Tu rentres, nous on fait salat al-Asr et toi tu n'as pas encore fait le bon. Est-ce que tu peux rentrer du niyat al-Fard? Tu peux. Car c'est le même nom, c'est le même nom, Nawa. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'esquilade. Toi tu mets niyat al-Asr, le bon et lui, eux ils ont niyat al-Asr. Il y a même certains ulama qui disent que tu peux prier derrière l'imam une prière, par exemple, lui il fait le maghrib et toi tu n'as pas fait l'asr, tu peux prier derrière lui. Et quand il était assis, toi tu te lèves et tu finis ta raka. Voilà, si certains ulama, ils croient que ce n'est pas une bonne chose de faire cela, pourquoi? Ils disent parce que tu t'as assis une autre fois dans ta prière, tu te seras assis une fois de plus sans raison valable. Par exemple, quelqu'un était endormi de l'échelle, il n'a pas fait exprès, il était endormi. Il arrive à la mosquée, la jama'a a fait salat al-subh. Il a dit au salam, bien qu'on a un béni à l'Isha. Quand l'imam dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il se lève et fait des rochats. La prière de Muqim, face à Moussafir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec qu'un pendant 18 nuits, il faisait que deux rochats et il leur disait finissez à 4 rochats pour les gens de Mecca, car nous on est des voyageurs. Donc il n'y a pas de mal à faire cela. Il y a certains. Ulama qui voit que ce hadith il est daïf, mais la plupart des savants voient qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Et en se basant aussi sur ce qu'on a dit auparavant, qu'il n'y avait pas de problème d'avoir une niya différente, donc il n'y a aucun problème. C'est idnillahi, tabaraka wa ta'ala. Kadarika, il n'est pas une condition d'avoir la niya pour faire le qasr ou pour faire le jama. Par exemple, quelqu'un qui est en voyage, il n'a pas besoin d'avoir niya sur le qasr. Il est en voyage, il a cette permission de faire le qasr. Par exemple, si il a commencé le salat
il a oublié de mettre l'attention qu'il allait faire. Pardon. Il n'a pas obligé de finir un tabal khat. Il peut diminuer. Parce qu'il est déjà en voyage. Il a la permission de le faire. Kadal Jama. Il n'a pas besoin d'avoir une niya pour faire une Jama Ben Afaratein. Sauf si il va laisser la prière de port, par exemple, sortir de son heure. Il faut qu'il ait l'intention qu'il va la réunir avec la prochaine. Sinon, il aurait pu sortir ça là de son heure. Là. Il y a juste une. Quelqu'un est musafir et il prie dans une mosquée avec les gens qui sont 4-4. Celui-là est obligé de finir avec l'imam 4-4. Il ne fait pas de rekat après il attend que l'imam fasse ses 2-4 après qu'il s'élève. Non. Donc là, l'imam, on est obligé de le suivre dans ses gestes apparents. Et là, dans ses gestes apparents, il rajoute deux autres 4. On le suit.